Salut tout le monde, c'est Charlie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois pour du booster Reine de Glace. Et ça fait plaisir. C'est pas rien, c'est du bon. Voilà, donc du sous-blister. Donc cette fois, j'espère ne pas être aussi déçu que la fois dernière sur les boosters du bureau de tabac. Normalement, ça devrait aller. Au moins une petite ultra rare cette fois, hein, on l'espère. En tout cas, je suis content d'avoir trouvé cela. Et en même temps, je voulais vous montrer, parce que il faut savoir que les boosters, je les ai achetés en magasin et regardez, c'est déjà décollé en fin de compte. La protection est vraiment mal faite. J'ai aperçu également des, vous voyez, des pointes de colle, c'est gonflé quoi. C'est vrai. Et je me suis renseigné là-dessus au final. Apparemment. Pour les impressions de cartes Pokémon, vu qu'il y a énormément de demandes en ce moment, ils ont du mal à fournir. C'est Asmodée, je crois, qui s'occupe de ça. Et ils ont énormément de mal à produire les cartes. Du coup, bah, c'est fait à la va-vite, à la chaîne, mais vraiment, vous voyez, regardez. Pourtant, c'est neuf, hein, je les ai achetés. Et c'est mal coupé, c'est mal collé. Regardez, tout est déjà décollé. Après, bon, voilà, ça reste des boosters scellés, mais bon. C'est là qu'on voit qu'ils ont beaucoup de travail en ce moment et bah ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Voilà, c'était une petite... voilà. Au moins, vous savez, vous êtes au courant, mais il n'y a pas de problème, ça change rien au résultat qu'il y a dans les boosters. Donc, au total, 10 boosters Reine de Glace. Je pense que je vais tous les ouvrir. Je suis désolé, hein, je voulais vous les montrer qu'ils étaient bien sous blister. Je vais tous les ouvrir et ensuite bah, on va pouvoir passer à l'ouverture. Je vais faire une petite ellipse, le temps d'ouvrir. Allez, à tout de suite. Re les amis. Alors voilà, donc après avoir tout ouvert, donc les 10 boosters Reine de Glace, on va les compter ensemble. Regardez, hein, l'envers du décor, les cadavres. Voilà. Donc ils sont tous bien ouverts, il n'y a pas de souci. Hop. Excusez-moi, je vous fous la gerbe. Hop là. Donc les 10 boosters, alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça va, je ne me suis pas trompé. Normalement, on devrait avoir toutes les illustrations. Hop. Voilà. Tac. Ah oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'il y en a 5. Voilà. Alors, on va garder les 3 oiseaux pour la fin. Et on va commencer par Silveroi du froid et après Défroi. Donc c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis vraiment content d'ouvrir du Reine de Glace. C'est la deuxième fois sur ma chaîne que j'en ouvre. Voilà. C'est la deuxième fois. Donc je ne suis pas encore habitué, familiarisé avec la série. Donc on espère avoir du lourd, du bon. Oh, pardon, j'ai caché. Hop là. Cette fois, être pas trop déçu parce que la fois dernière que j'ai ouvert du Reine de Glace, j'ai vraiment eu bah, de la merde. Hein. On va pas se mentir. Allez, Blitzy, Zébibron, Fantominus, Smogo, Cadoiseau, Énergie Plante, L'Énergie, Sophora. Spectrum, je t'aime beaucoup. Coconfort en peu commune reverse. Un coconfort, c'est très rare qu'on voit un coconfort en mode attaque sur les cartes. Là, on dirait qu'il se concentre. Franchement, c'est stylé. Ok. Et derrière se cache un Sépiatros en rare. Ok. Booster faible, hein? Booster faible. Allez, on continue. Silveroi. Je veux au moins avoir une ultra, ça serait bien. Sur 10 boosters, ça va, j'en demande pas beaucoup. Après, vous pouvez m'en donner plus, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 2, 3, 4, 1 et 2. D'ailleurs, je ne me suis pas encore fait spoiler la série. Je connais pas trop toutes les ultras qu'il y a dedans. Il y en a que j'ai vu, évidemment. Coxie, Crabagar. J'aime pas me faire spoiler. Whistempo. Flambino, Énergie Plante, Lona, Bastien,
Scobolide. Oh, Branette en rare reverse. Très très bien. Très très bien, un beau Branette. Donc on a deux rares dans le même booster, ça c'est cool. Et derrière. Yes! C'est bon ça! Allez, on espère du lourd, hein. Donc on aura une rare reverse et une ultra. Oh putain de merde! Pardon! Ah bah alors là, donc ma première ultra rare de la série, un Metalos VMAX. Il est magnifique. Alors là, je suis vraiment très 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 content. Un super booster, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Waouh, le Metalos, il est incroyable. Il est magnifique. Oh pardon. Elle va bien, elle va bien. Ok. Allez. Ça fait plaisir parce que bon, honnêtement, j'hésitais à les ouvrir. Et je me suis dit, allez. Ça, en vrai, ça faisait un petit moment que je les avais gardés de côté, ceux-là. Justement pour une vidéo. Mais j'hésitais parce que bon, voilà. C'est compliqué en ce moment, on va dire. Allez. Aspico. Il est en train de faire des abdos. Mais c'est comme le Coconfort de tout à l'heure, en fait. Ils sont ultra vénères, les Pokémon, dans cette série. Scarino, je sais pas s'il fait des abdos ou s'il dort, mais en tout cas. Le Aspico, il est chaud. Il veut devenir un Dardanian. Poulpaf. Watt-Watt. Tarsal. Morpheo, forme eau de pluie. Ok. Une énergie feu. Bastien. Spectrum. Fogler. Ah bah voilà, Coconfort un peu comme une reverse, on en parlait tout à l'heure. Mais attends, je l'ai déjà eu. Vous êtes vraiment des petits... Hein? Je vais pas dire le mot, mais c'est dégueulasse. Non? Bon, très bien. Allez, et derrière, Golemastock en rare. Si j'avais eu encore Sepiatros en rare, j'aurais fait une lettre à Pokémon. Hein. Il remboursait moins booster. Allez, on continue. Donc là, on passe à Silveroy, Cavalier d'Effroi. C'est parti. Allez. Donnez-moi du lourd. Morpheo, forme solaire. En tout cas, d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de bons retours sur mes vidéos avec vos commentaires. Ça m'a vraiment fait plaisir. Obali. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour ça. Restez comme vous êtes au top. Bibichute. Rocabo. Polychambre. Oh, il est dehors et il neige, il est triste, il veut rentrer. Énergie ténèbres. Et oui, même les fantômes sont tristes. Accueillez-les, s'il vous plaît. Badaboin, boule de cristal brume, Chapotus, Kirlia en peu commune reverse. Ok, très très bien. Ok, et derrière nous avons. Yes! Yes! Ouh, allez! Une belle, hein! Me redonnez pas Métalos, hein! Allez, c'est parti. Oh là, ça annonce du lourd, ça! Ça annonce du très très lourd! Oui! Oui! Persila Full Art Rainbow, du coup, ou Ghost, ça dépend. Je sais jamais comment il faut le dire. Waouh! Waouh! Oui, mais là, je suis content. Voilà. Là, c'est très, 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 très bien. Ok, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Super. Alors là. Alors là, alors là, alors là. Allez, porte-moi chance. Hop. Alors, je crois qu'on est au quatrième ou cinquième booster, là. Je ne sais plus. 4, 1, 2. Je crois qu'on est au cinquième, si je ne dis pas de bêtises. On a un Crabagar. D'ailleurs, ils sont plusieurs. On se bat pour des baies. Gringolem. Porygon. Wistempo. Watt-Watt. N'empêche, cette série va être très longue à remplir. Hein. Énergie combat.
Il y a quand même 198 cartes. Ça fait beaucoup. Bastien, il doit avoir des secrètes en plus, je crois. Donc on dépasse les 200. Spectrum. Tauros en rare reverse. Waouh, il est beau! Ah, il est super beau, il est en pleine charge. Ok, très très bien. Un beau Tauros. Et on termine le booster avec un Sévipère en rare. J'ai cru qu'il était holographique, mais pas du tout. Ok, bon, quand même un booster simple. Il était correct parce que bon, moi de rare j'aime bien. J'aime bien. Surtout quand c'est une rare reverse holographique ou rare reverse ultra rare, évidemment. On passe aux oiseaux, au piaf. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On était bien à la moitié, j'ai pas dit de bêtises. Donc là, on passe sur Articodin. D'ailleurs, parmi les trois nouvelles formes de Galar, lequel préférez-vous? Moi, bah, comme beaucoup, je pense, c'est Sulfura. Je trouve que son design est magnifique, tout simplement. Et Articodin est celui que j'aime le moins. Je préfère sa forme de base. Allez, Galekid, qui mange des écrous. Je ne savais pas que Galekid mangeait des écrous. Très bien. Stalgamin. Venipat. Blitzy. Ramolos de Galar qui veut se faire mordre la queue. N'y voyez pas là un message bizarre. C'est juste Ramolos doit se faire mordre la queue pour évoluer. C'est tout. Ils ont l'esprit mal placé. C'est comme ça. Énergie O. Badaboin. Il doit se faire mordre par un coquillasse. Qui en passant, coquillasse n'a pas de dents. Il a une langue. J'appelle pas ça mordre, j'appelle ça lécher une queue. Bref, j'arrête là, c'est terminé pour moi. Dylan. Plastron de Galar. Lona en peu commune reverse. Très très bien. Ok. Et. Palartichaut de Galar en rare. Ok. Bon là, c'est un booster faible. Allez. Le dernier Articodin. C'est ça que j'aime bien aussi dans les boosters où... parce qu'une display, il y a un certain nombre d'ultra rares dedans obligatoirement. Alors que des boosters à l'unité, tu peux avoir autant d'ultra rares que tu veux. Là, c'est au bonheur la chance. C'est ça que j'aime bien. Je préfère largement ouvrir des boosters comme ça que des displays. Scarino. J'aime beaucoup les illustrations de la série. Poulpaf. Au moment où je dis ça, ils mettent une pâte à modeler. Bon. Whistempo. Farfuré, qui est très très beau, Farfuré. Aspico, toujours aussi. Toujours au top. Énergie acier. Coconfort. Me la remettez pas en reverse. Hein. Sentier Blanchecime. Chapotus. Topicœur en commune reverse. Ok. Topicœur, il est là dans toutes les séries, c'est incroyable. Il est au top, Icœur. Je suis désolé, fallait que je la fasse. Et derrière, Aïdin en rare. Ok, booster nul. Nul, nul, nul. Il reste trois boosters. Le seul Elector. Allez, hein. Tu es le seul Elector. Montre que t'es là. Montre que t'es présent. Mais tu es vide. Va-t'en. Hop. Bon, pour l'instant, on est à deux ultra rares. Allez. Hein. Nous avons un petit Crabagar. Stalgamin. Aspico. Morpheo. Pelote de laine. Quillfish. Ok. Quillfish, je le trouve de plus en plus dans les séries récentes. Hein. Ils vont peut-être nous faire un petit quelque chose avec Quillfish. Peut-être une évolution. Persila, qu'on a eu en ultra rare tout à l'heure. Coconfort. Sentier Blanchecime. Flambino en commune reverse. Très bien. Alors, Elector, est-ce que tu nous prépares une petite surprise derrière? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est Vipère en rare. Donc, oui, effectivement, pas du tout. C'est triste, Elector. Tout ça parce que je t'ai dit que j'étais pas mon oiseau préféré. Lui est mon oiseau préféré. Donc, je l'ai gardé pour la fin d'ailleurs, c'est pour ça. J'ai dit que tu étais le plus beau. Est-ce que tu vas me donner quelque chose? S'il te plaît, ce serait la moindre des choses, la moindre des politesses. Quand même.
fait plaisir aux abonnés, aux viewers. J'ai cru voir quelque chose. Je l'ai mal mise. Je pense que du coup, là, j'ai une ultra rare à la fin. Après, je suis peut-être un teubé, hein, mais c'est d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Morpheo. Fantominus. Wishurs. Bibichute. Pardon. L'Arméléon. En train de chialer. Énergie Acier. Arrosar. Dylan. Persila. Chifourse, point final en rare reverse. Donc, deux rares en un booster. Et on va voir si j'ai eu raison, s'il y a bien une ultra ou bien si juste je suis un teubé. Je suis pas teubé. Et là, c'est, et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon parce que je commençais à avoir des doutes. Très, très bien. Je pense que c'est une V. Élector de Galar V. Bah, putain, il m'a rien donné dans son booster, mais Vlock, il est là quand même. Hein. Bah, je suis content. Donc, franchement, c'est un très très bon booster. Donc, voilà, il est vraiment beau. Il est très 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 beau. Ok. Ça fait plaisir tout ça. Donc, Sulfuro, là, il me gâte. Il me gâte. Le dernier, est-ce qu'on va finir en beauté? Bah, ça, on verra bien. On verra bien. Je l'espère en tout cas. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Cette fois, on ne va pas se faire avoir. Je vais bien refermer. Voilà. Nous avons... Putain, mais Krabagar, il est dans toutes les... Toujours en première page en plus. Krabagar. Gringolem. Porygon. Wistempo. What what. Énergie feu. Uniforme de survie. Très très bien. Cimetière ancien. Ok. Lapiro, on l'a toujours pas vu. Super. Candine un peu commune. Je vois déjà que derrière, nous avons une petite ultra. Et ça, c'est bon. J'ai un peu spoil parce que je l'ai mal mis. Voilà, je le remets bien. Mais on a une ultra rare derrière, les gens. On a une ultra rare. Donc, Candine un peu commune river, c'est vrai, je l'ai oublié. Je ne l'ai pas présenté parce que voilà, je m'en fous. Il y a une ultra derrière. À mise au point. Et... qu'est-ce que c'est? Sur quoi on finit? Donc, franchement, une belle ouverture. Sur quoi on finit? Une V, encore une fois. Métallos V, très très bien. Pas de double, et ça, c'est cool. Métallos V, superbe, superbe. Waouh! De belles cartes. Hein. Très très belles cartes. Bah écoutez, bonne pioche dans ces ouvertures. Je suis vraiment très 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 satisfait. On va regarder, on va faire un petit récap pour voir le ratio qu'on a eu. Donc là, on a du peu commune reverse, peu commune, rare, peu commune, rare, peu commune, rare, et rare. Donc en commune reverse, on en a eu deux. On n'a pas eu d'holographique d'ailleurs. Pas eu d'holographique. Donc, on a eu un Flambino et un Topicker en commune reverse. Très, très bien. Ensuite, en peu commune reverse. Alors, on a eu deux fois... on a eu deux fois Coconfort. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ensuite, on a eu Kirlia, Lona et Candine. Ok. En rare simple, simple rare, nous avons eu Sepiatros, Golemastok, Sévipère, Palartichaud de Galar, Aydin et Sévipère. J'ai même pas fait gaffe, j'ai eu deux fois Sévipère. Ok. Sympa. Et en rare reverse, ça c'est cool. On a eu Branette, Tauros et Chifours point final qui sont de très belles cartes. Donc tout ça c'est bonne pioche. Et on a eu quand même 4 ultra rares sur 10 boosters. Donc, on va se les refaire. Nous avons eu donc Métallos V. Voilà. Élector de Galar V. Vraiment, celle-là est vraiment très très belle. Hein. Vraiment. Alors là, je pense que la meilleure pioche, c'est celle-ci. Donc, Persila. Persila Full Art, elle est vraiment très très belle. Ok. Et, on va faire attention, voilà. Ma deuxième meilleure pioche, c'est un Métallos V Max. Qui venait d'ailleurs du premier booster, je crois, donc c'était
Bah d'ailleurs, on a commencé avec un métallos et on a fini avec un métallos. Le mec voulait être la star du jour, quoi. C'est incroyable. Il a le melon, quoi. Ok. Eh bien, sur ces visus d'ultra rares, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa comme à votre habitude. Hein. Franchement, vous me régalez avec vos commentaires. Ça fait super plaisir et ça me force de continuer du coup. Pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour voir les prochaines vidéos. Et j'espère vous revoir très vite dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous et bye tout le monde!